Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de l'aventure sur le modpack Agrarian Skies, avec, comme vous le voyez, un petit peu de changement. Il y a de l'herbe, il y a des chemins, il y a des bâtiments, etc. Donc j'ai fait pas mal de builds depuis le dernier épisode. J'ai pas fait grand chose de plus. J'ai vraiment focus sur on va dire la déco, l'organisation de la base. Il y a des petits moutons qui sont apparus. Enfin, je pense que c'est à cause de l'herbe, hein, tout simplement. Donc il y a des moutons et j'ai aussi un cochon qui se baladait. Ah bah, il est devenu un cochon. Il est devenu un mouton. Très bien. En fait, il y avait un mouton qui était là au début, je sais pas pourquoi. Puis après, c'est devenu un cochon. Et maintenant, c'est un mouton. Allez savoir la logique. Mais bref, on se retrouve tranquillement sur notre petite île qui commence à devenir assez grande maintenant. Pas mal de choses qui ont changé. Je vais vite vous montrer les changements. Donc ça n'a pas trop changé. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. L'aérosonde, par contre, ça a bien produit parce que bah, le temps de tout construire autour. Ça a pu faire tourner pas mal de temps les machines. J'ai également mis un peu de soul sand. C'est pour ça qu'on voit des trucs du nether, genre des saplings, des choses comme ça. Ainsi que le nether quartz. C'est pour ça que j'ai mis la soul sand, parce que c'est comme ça qu'on obtient le nether quartz qui était nécessaire pour crafter entre autres les trucs d'applied. J'ai pas encore fini de tout crafter, hein. J'ai juste fait le contrôleur qui est là. Mais vous voyez, ça demande du quartz ici, on se craft. Et là-dedans. Non, là-dedans, il n'y a pas besoin. Quoique si. Ouais, on peut utiliser du Certus, donc ça va. Et puis voilà, bon, c'est pas des crafts compliqués. Un plat énergétique premier du nom est beaucoup plus simple que le deuxième, donc tout se fait dans la table de craft quasiment, à part les puces comme ça qu'il faut cuire une fois. Il n'y a pas les inscribeurs, il n'y a pas les trucs de ce genre encore. Donc voilà, ça compacte également tout ce qui est en 3x3 parce que j'ai activé, comme vous voyez dans le chat, d'abord fait en 2x2 puis en 3x3. Ça permet de compresser les diamants, le lapis, la redstone, le charbon, etc. Alors ça me compressait aussi la limestone, bon, parce que c'est 2x2, sauf que je ne veux pas forcément garder les briques. J'aimerais bien garder le bloc de base, donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis un barrel avec de la limestone dedans, bon, alors c'est buggé avec les shaders, mais c'est un bloc de limestone. Et j'ai mis un pipe, comme ça, bah, dès qu'il y a de la limestone qui vient ici, ça rentre là-dedans. Pas besoin de filtrer, puisque le barrel fait office de filtre, vu qu'il n'y a qu'une seule ressource différente par barrel, bah, ça fait ça. Là pareil, ça a bien bossé, hein. Le sludge boiler fait pas mal d'argile, de sable, de gravier, surtout de la terre aussi. Il y a du sel, il y a un peu de soul sand, bon il n'y a pas grand chose, j'en ai utilisé un petit peu aussi, hein. C'est normal. Mais avec ça et ça, on peut faire la soul sand aussi, il me semble, hein. Si je fais ça, et que je les combine, vous voyez ça fait de la soul sand. Bon c'est deux pour un, mais ces trucs-là, on s'en sert pas de base, donc c'est tant mieux. Et puis là, c'est bugué aussi, mais il y a pas mal de bois, pas mal de saplings, etc. Là, j'ai dû mettre une upgrade du barrel pour avoir plus de rubber parce que c'était plein. Et de ce côté-là, j'ai pareil, j'ai mis des barrels avec les loots des mobs. Donc là, c'est tous les loots que j'avais déjà dans des barrels. Certains sont upgrade aussi, on voit la couleur qui change. Et là, c'est tout ce qui drop, tout ce que les sorcières drop en fait. Les sorcières drop tout ça, donc j'ai rajouté ces 6 barrels en plus. J'ai pas mis de coffre poubelle. Donc là, il y a d'autres trucs. Donc s'il y avait des choses là-dedans qu'il ne faut pas être aspiré dans les barrels, bah ils restent là-dedans. Ou pas. Ah non, ça j'ai là. J'ai eu peur. Il me l'a remis là-dedans. Surtout que c'est des câbles améliorés. J'aurais pas voulu les perdre. D'ailleurs, j'ai fait aussi un petit sunbuffler qui est très pratique pour masquer les sons en fait. Parce que là, vous voyez, c'est chiant, les mobs font du bruit, etc. Donc je mets ça. Et là, moi, je fais. Non, je fais rien, c'est bon. Il y a aussi normalement le Rain Muffler d'ailleurs. Il existe ou pas? Oui, il existe. On pourrait le faire aussi. Ok, il faut faire 8 fois le même bloc et un morceau d'eau. C'est. Hein? Marrant ça. On pourrait faire ça aussi. Alors, comment on fait le Sunbuffler? C'est de la laine, c'est du bois et. Enfin, c'est un deadblock quoi. Et puis un seau d'eau. Je sais pas s'il est retourné le seau, je pense pas. Et ça bloque le son de la pluie sur 64 blocs de rayon. Ce qui est quand même bien pratique. Parce que la pluie, hein, comme on l'avait vu dans un épisode avant, c'est bruyant. Ce bâtiment-là, il servira à quoi? Je vais pas m'attaquer à ça maintenant, mais ça servira à pas stocker des boutons, mais à faire les fonderies de Tinker. Il y en aura deux. Il y en a une qui sera bah, celle-ci, que je vais déplacer. Et l'autre, ça sera celle pour faire l'acier, avec Tinker Steelwork, là. C'est ce genre de truc-là, là. Ça se fait avec de la cire redstone, c'est de la cobble dans la smelterie. Sur des briques. D'ailleurs, j'ai déjà préparé pas mal de 6 redstone. Normalement, si on regarde ici, oui, il y en a là-dedans. Il y en a du coup à faire 7 blocs, donc c'est pas mal. C'est déjà assez suffisant. Je sais pas mal d'invar que je devrais faire couler, mais le problème c'est que si j'active ça, bah, ça va finir par me faire des briques de 6 redstone et j'ai pas envie. Donc,
Et si j'active là maintenant pour l'unité de var, je vais finir par oublier. Et je vais me retrouver avec les briques de fête. Attends, j'ai pas mis mon armure. Hop. Et donc ça, c'est juste des câbles plus puissants avec l'unité de var et de la redstone en plus par rapport aux autres câbles. C'est d'ailleurs une quête qu'on doit faire. Des quêtes disponibles qui est là. Donc c'est ces deux câbles là. Il reste plus qu'à faire les Rednet Energy Cable et les Redstone Energy Conduite. Ces trucs là en vrai c'est pas mal en... Alors pour l'énergie c'est pas le meilleur, ça fait que 1000 arrive par tick, ce qui est pas fou. Mais par contre ça peut transporter aussi de la Redstone. Et en fait il existe des Rednet Cable de base qui servent de Redstone qu'on peut mettre sur les murs et le plafond. Un peu comme les câbles de Red Power ou de Project Red, mais là c'est avec Main Factory. Alors c'est pas vraiment collé au mur et au plafond, hein, c'est vraiment comme des câbles bah, comme ceux-là là. Mais on peut les connecter à des blocs, donc je pourrais faire un système avec un levier pour ouvrir et fermer les trappes là-haut. Comme ça bloquerait la farm à mob et... Ah, bonjour toi. Et ça serait un moyen de la contrôler tout simplement. Donc on pourrait faire ça un jour. Bon là je vais pas le faire maintenant, c'est pas nécessaire. Donc voilà, dernière chose que j'ai fait essentiellement, c'est en dessous. J'ai commencé à faire des petits couloirs techniques, alors on voit pas grand-chose. Les shaders sont assez sombres. Rien de bien spécial, hein, c'est juste des tunnels, mais c'est ici que je ferai passer mes câbles applied, mes câbles d'énergie, etc. Notamment l'énergie pour l'instant vient de là-haut, puisque c'est la ferme à bois qui la produit. Et donc je pourrais mettre des petits câbles d'énergie sur les côtés, contre les murs, etc. Et pareil pour applied et pour d'autres trucs, hein, on peut imaginer un système de conduite d'eau, ce genre de choses. Et pour applied, je pense que je vais la mettre dans la maison de départ. Cette maison-là, je vais la garder en fait, je vais la laisser au milieu. Ça sera un peu la maison historique, et je pense que là-dedans, je mettrai mon setup applied, je virerai tous les coffres, etc. Donc, ouais. Bah justement, pour applied, on peut commencer à crafter d'autres choses. Parce que là, je me focus sur ça pour l'instant. Donc, on avait une quête qui était, pas celle-là, mais celle qui est dans For the Hoarding, qui est celle-là, qui demande de crafter donc un mieux drive, le contrôleur, je l'ai fait, le crafting terminal directement. Une disquette 1K et ensuite les... Alors c'est des précisions export et un port bus. Je sais pas pourquoi il nous demande de faire ça. Ça me servira peut-être pour plus tard. Donc on va voir pour le ME Drive. On va commencer par ça. L'ME Drive, donc c'est deux processeurs d'or et le reste c'est vraiment des trucs basiques. Donc 4 lingots. Est-ce que j'ai encore du verre? Ouais c'est bon. Faut combien? 4 aussi? Non, 2. Hop. Et ensuite... Un petit coffre qui est là. Alors j'ai gagné un tableau, je sais pas d'où il vient. C'est quoi, c'est un tableau Vanilla ou c'est modé? C'est un Vanilla ça? Ça oui. Le blanc, j'étais pas sûr. Je l'ai perdu. Je l'ai pas récupéré. Ah il est là. Ouais bon, c'est un tableau Vanilla. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a juste ça à faire. Donc ça c'est de redstone, un silicone, un or. Il m'en faut le double. En ce qui concerne le silicone, j'en ai peut-être pas là-haut, mais j'ai peut-être du. Ah bah j'en ai ici. Ouais, j'ai cuit énormément de rubber. D'ailleurs, faut que je cuise encore du rubber pour faire du silicone. On va mettre 3 stacks. Oui, ils sortent pas. Hein. Ça, c'est encore un problème que je comprends pas. Attends, il arrive à mettre là-dedans? Ouais. Les tuyaux sont bloqués à un moment donné, j'ai pas compris pourquoi. Pourtant, ils ont pas bougé. Hein. Pas bougé. Bref. On va faire nos petites puces. D'ailleurs, je vais réactiver les shaders. Hop. Comme ça, il y a beaucoup de soleil. Là, il me faut aussi le petit cutting knife. C'est pas très compliqué à faire, on l'a vu. Hein. C'est juste du quartz, du fer et des bâtons. Rien de spécial. Il veut pas le faire parce que j'imagine que ce truc-là a de la durabilité, donc l'aime pas. C'est classique pour l'époque. Voilà. On va cuire ça là-dedans. Et on va avoir de quoi faire ça. On va regarder vite fait aussi le terminal. Alors il nous faut déjà un access terminal de base. Il faut que j'en fasse des trucs comme ça. Ok, bon, on va se faire quoi? On va se faire plein. J'ai fait plein d'or dans le truc aussi normalement. Hop. On va s'en faire plusieurs, comme ça c'est fait. C'est pas comme ça. Non, c'est l'or au milieu et la redstone autour, ouais. Dans ce cas-là, viens ici toi. On va se faire un max de ces trucs-là. Et hop, ça fait pi 24, ça fait 3 x 8, c'est parfait.
Ici, nous avons notre truc là. Hop, petite séance crafting, hein, ça fait pas du mal de temps en temps. Et ici, il nous faudra. Ah oui, il y a les câbles comme ça. Ok. Faut qu'on fasse des flux dust. Ok. Alors ça. Oh tiens, avec la plastique, on peut en faire deux fois plus. Très bien. Enfin, un pulvériseur. Ok, j'ai pas ça encore. Enfin, j'en ai. Non, j'en ai. Enfin, si j'en ai, mais ils sont tous utilisés. Faut que j'en refasse un. Hein. Bon, de toute façon, je vais faire un peu les crafts de mon côté parce que ça va prendre plus de temps que je ne le pensais avec tout ça. Donc, je vais avancer là-dessus et puis on se retrouve juste après. Ah, c'est bon, tout est crafté. Regardez-moi cet inventaire en bazar. Mais ça demande tellement de choses dans tous les sens que forcément, ça le remplit très vite. Donc, j'ai les trois blocs là, le crafting terminal, le drive et le contrôleur. J'ai les deux précisions, un port-export bus. Je ne sais pas pourquoi il nous demande de faire des précisions. Je suis pas sûr qu'on va vraiment s'en servir là tout de suite. Et on a une petite disquette pour compléter la quête, tout simplement. Ça m'emmerde un peu de la faire, mais je sais pas si on peut pas la. On peut pas la décrafter. Hein. Ouais, c'est pas comme dans les nouvelles versions, on peut enlever la puce dedans. Ça, c'est pas possible. Donc, ça fait un petit claim reward en plus. Deux cœurs. Deux cœurs, deux vrais cœurs en plus, pas mal. Et alors, est-ce que j'ai de la place pour goûter ça? Ça, c'est très bien. Nice, effectivement. C'est très très bien. Pour information, ça sert aussi de bibliothèque. Et ça augmente bien la puissance de la table, on va dire. Donc c'est cool. Ok, on va virer cette machine que j'ai mis là parce que j'avais besoin de pulvériser du quartz. Donc j'ai ramené le câble ici. Je crois que ça c'est vide. Ouais, je peux aussi le vider. Je vais d'abord vider mon inventaire parce que c'est compliqué. Hop, on va virer ça, on va mettre ça ici. Vas-y, mets ça là-dedans, c'est très bien. On va retirer tout ça et on va se faire ici le, comme dit, le setup applied. Donc là, je mets le contrôleur. Donc là, il est alimenté. Il n'est pas alimenté beaucoup. On va se mettre en. Il n'y a pas RF. Il n'y a pas RF. Bon. On va laisser. Je sais pas. Un MJ, je crois qu'un MJ c'est 10 RF ou inversement, je sais plus. Ah, il y a un truc pour. Ah, il y a le crafting terminal comme ça? Attendez. Ah oui, elle est là. Ah, c'est un access terminal. Je sais pas s'il y a une table de craft dedans. Hein. C'est cool, ok, on peut mettre ça ici. Donc là, ça charge en énergie et en fait, après, on peut juste mettre ça ici comme ça, ici comme ça. Tout va s'alimenter ensemble. Hein. Il n'y a pas besoin de les relier avec des câbles, c'est comme dans le 2 hein, de toute façon. Là, on va mettre une disquette. Et il y a déjà les priorités, ok. Et donc à partir de là, je peux stocker les choses dedans et ça va les mettre là-dedans. Voilà, c'est le grand classique. On va virer ce coffre. On va commencer par mettre tout ça là-dedans déjà. Voilà, il y a du lag. Ouais. Il y a du lag alors que je suis en solo, hein, je rappelle. Hein. Allô? Et vous voyez, c'est ce que j'ai eu une fois aussi. J'ai juste cassé un coffre, hein. J'ai rien fait de plus. Et ça a du mal. Ouais, j'arrive même pas à mettre les objets dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter et relancer. Hop, alors voyons voir ce que ça donne. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Bon, pour l'instant, je vais mettre en vrac dans des disquettes. On verra après pour mettre des trucs du genre des Deep Storage Unit ou je ne sais quoi. Hop là. Ok. Bon, je ferai après des disquettes plus grosses. Pour l'instant, en vrai, les 1K, ça suffit pour le moment. Tant qu'on met pas les ressources là-bas directement dedans, ça va. Mais d'ailleurs, en fait, j'avais cassé le coffre, mais il s'est pas cassé en réalité. C'est vraiment la première moitié du coffre qui a tout fait planter, quoi. Très bien. Hop, ça c'est le meilleur moment hein, quand on installe Applied et qu'on balance tout dedans sans réfléchir. Là, ça fait plaisir. Petite taille. On peut pas augmenter la taille du terminal, j'ai l'impression. Non, il n'y a pas. Je vais mettre en standard search. Ok, ouais, on est obligé d'utiliser cette petite taille comme ça. À l'époque, c'était ça. Donc là, la disquette, bon, elle a encore de la place. Tiens, d'ailleurs, on va mettre ça. Donc voilà, ça c'est fait. Et après, à terme, je ferai des stockages pour les ressources, etc. En plus, c'est pas un souci. D'ailleurs ici j'ai changé tous les câbles puisque je voulais mettre les câbles en souterrain avec la hardened. J'ai tout remplacé, le câble maintenant va aussi en dessous. J'ai fait comme ça parce que sinon quand je faisais passer le câble là, ces trucs-là restaient bloqués ici. Donc, je l'ai enlevé. Et ensuite en bas, là j'ai tout bouché,
Hop. En bas ici, bah, il y a le câble qui passe par là. Ça, c'est quoi ça? C'est du flint, très bien. Donc le câble passe ici. Donc il vient de là-bas, de la salle qu'on a vue. Et ici, il va... Jusque là, j'ai attendu le couloir pour aller dans la petite maison qui est au-dessus, tout simplement. Voilà. Hop. Donc ça, pour l'instant, je peux m'en servir. Les câbles, pour l'instant non plus. Je vais vraiment tout mettre là-dedans. Je me ferai des disquettes. Faut que je vois d'ailleurs les... C'est quoi, 64K le maximum? Je crois qu'il est peut-être plus gros. Oui, c'est vrai que c'est des... bah, c'est toujours des crafts dans des crafts. Honnêtement, les crafts auto, ça sera pas mal pour ça. Qu'est-ce que ça a débloqué ici d'ailleurs? C'est des quêtes où il faut farmer des ressources en... Oh, c'est juste un stack, ça va. À une époque, c'était des milliers, hein. Là, ils ont vraiment tout réduit. Ah, juste un bloc, très bien. Ça débloque des quêtes ailleurs d'ailleurs. C'est pour ça que ça peut être intéressant de les faire. Et donc là, il y a la fameuse quête où il faut donner 64 vies. Il faut garder les cœurs pour ça. Ça, c'est la quête des nuages. Alors, je les ai désactivés, les nuages de Natura, parce que ça gênait avec les shaders. Donc, j'ai les nuages de Chisel que j'ai à la place, que j'ai mis en. J'ai fait un craft custom pour ça, justement. Ça, j'ai modifié un peu le pack pour cette raison. Bah là, il y a le. Voilà, c'est ça que je vais faire après. Il y a tout ce qu'il faut pour l'autocrafting ici. Donc, je peux déjà regarder un petit peu à quoi ça ressemble. On a les trucs comme ça. C'est que de l'or et des cristaux, très bien. Ça, c'est quoi? Que du fer et des câbles. Là, il y a les processeurs en diamant. Et après, il y avait quoi d'autre? Les patterns. Les pattern providers. Pattern encodeurs. Ouais, c'est ça. Tac, 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 qui sont où? Il y a un crafting monitor. Les storage bus aussi qui vont être très intéressants après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils sont où les autres blocs que je vois pas là? Là. Ok, lui il faut pas mal de choses. C'est les choses que je vais faire de mon côté, encore une fois. Et lui. Pareil, lui il demande des trucs comme ça. Faut que j'en fasse des puces. Je vais sûrement devoir refaire un petit couteau. Donc, ouais. Bah, je vais faire ça. Et je vais mettre en place le multi-craft, enfin, le crafting auto. Comme ça, je vais pouvoir faire des disquettes plus facilement. Je mettrai sûrement le bloc en dessous. Bah, je pense que je vais le mettre au fond de ce couloir. Je sais plus c'est quoi la taille max. Est-ce qu'ils disent la taille ici? J'ai pas l'impression. Non, ils disent pas. Mais je vais regarder c'est quoi la taille max. Et je pense que je ferai au bout du couloir comme ça. Ou alors sur un côté, on verra bien. Je ferai pas très loin du apply au-dessus. Bon allez, je me lance dans les crafts et on se retrouve pour la fin de l'épisode avec le craft auto. Alors, je crois qu'il y a un petit souci dans le fonctionnement de la smelterie. C'est un peu bizarre, ça affiche énormément de choses. J'ai l'impression qu'en fait, si on met vraiment beaucoup beaucoup de lingots en même temps, en fait, il n'arrive pas à tout afficher à l'intérieur juste de ce carré. Il dépasse, un peu bizarre. Bref, là je suis en train de faire pas mal de fer parce que ça demande beaucoup de fer de crafter les trucs d'autocraft. Là je suis parti pour faire un 5x5. Il n'y a pas de taille max, en fait j'ai regardé, il n'y a pas de taille max. Le minimum c'est une structure 3x3x3, mais là-dedans on peut mettre qu'un seul élément, ce qui rend la machine inutile. Donc il faut faire au minimum un 4x4 avec un 2x2 pour mettre les processeurs et les patterns trucs. Et là je vais partir sur 3x3 comme ça il y aura déjà un peu plus de place. Mais virtuellement il n'y a pas de limite, il y en a qui ont fait des 256x256x256. Alors ça lag hein, forcément, mais c'est possible. Et j'en ai profité pour vider aussi d'ailleurs tous les trucs, toute la série de stone de la smelterie comme ça. J'ai mes briques là, j'ai également fait le livre qui est ici, qui c'est juste un livre comme ça ou un livre Vanilla sur lequel on met de la série de stone. Je vous recommande de faire celui-là parce que c'est juste un pattern et un papier. C'est beaucoup moins cher que de faire ça ou ça. Donc la tronçonneuse ou je sais pas quoi dehors fonctionne bien évidemment quand je fais une vidéo classique. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut même aller ici. Oui, il faut que je récupère le livre. Et normalement, ça devrait me débloquer la quête. Ah, il faut faire le manuel detect. Hop, voilà. Et on va prendre. Bah ça, je peux en farmer, donc on va prendre ça parce que je sais pas ce que c'est. Voilà. Petit reward bag, voyons voir ça. Des petites potions de farming, flight, de vol. Ah ouais, on peut voler. Très bien. Bon, on verra bien.
Du coup, je continue à faire mon fer, je continue à faire mes crafts. D'ailleurs, les crafts se font beaucoup plus rapidement maintenant, hein, puisque je mets les choses là-dedans et je peux directement hop, crafter mes trucs ici. C'est très cool. Donc, je continue et puis on se retrouve pour l'assemblage de la machine. Ok, c'est bon, j'ai crafté tout ce qu'il faut pour faire la chambre normalement. J'ai pas encore fini de faire tous les crafts ici, il manque encore bah, c'est juste les patterns en fait, faudrait que j'en fasse au moins un ou deux. Là, il n'y a plus de sol, c'est normal, c'est parce que je vais mettre en fait la chambre ici directement. Comme ça, tiens, on peut récupérer ça. Comme ça, j'aurai accès directement à la chambre en cliquant dessus depuis le haut, parce qu'en fait, pour accéder au contenu, c'est-à-dire les patterns, il faut cliquer sur la grosse chambre qu'on fait justement là maintenant. Il va y avoir un problème avec les câbles aussi qui vont me gêner, donc il faut que je bouge tout ça. Oups. Juste pour en perdre un. Bon, après, ça, c'est pas les plus chers, ça, c'est les bords. Enfin, je dois enlever tous les câbles. Je pense que. Passer dans le mur, de toute façon en bas je vais tout refaire. Hop. Ceci, ça pareil, il faut juger ce mur là pour éviter de tomber, ça serait dommage. Donc pour construire la chambre, c'est comme ça. À cette époque, c'était juste un gros cube. Alors je crois qu'on peut le faire en triangle, pas en triangle, mais en rectangle, pardon. Pas obligé de faire un cube avec des côtés carrés là, enfin, c'est-à-dire un cube en final. Normalement, on peut le faire avec un parallélépipède rectangle si on veut. J'aurais pu faire toute tout le sol de la maison avec un truc comme ça, mais bon, là je l'ai pas fait. Hop, sur les côtés, on met les petites ventilations comme ceci. Alors pour l'instant, c'est moche, mais après, il y aura des textures connectées. Là, on va faire pareil là-haut. Je suis trop bas pour ça. Hop là. Et à l'intérieur, on va mettre les pattern providers. Donc c'est eux qui vont stocker jusqu'à un double coffre de pattern. J'en ai fait. Pour l'instant, j'en ai fait 5. On va les mettre comme ça. On s'en fout de comment on les met. Hein. C'est juste qu'il faut les mettre dedans. Et ensuite, on met les crafting CPU qui servent à faire les crafts. C'est comme si on mettait des molecular assembleurs dans les nouvelles versions. C'est ça qui va créer des crafts. Et plus on en met, plus on peut paralléliser les crafts. C'est l'idée. Et enfin, pour compléter la structure, on met ces derniers trucs là. Et là, normalement, voilà. Et comme vous le voyez, en cliquant dessus, je vais monter de là-haut, j'ai accès au contenu, tout simplement. Donc j'ai 5 pages de molécular d'assembleur, enfin de pattern provider, on va dire. Alors, c'est pas des pattern providers, c'est des patterns. C'est juste des patterns. Et on peut les mettre là-dedans et ensuite les crafts auto seront disponibles. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déplacer ça. Parce que lui, il a plus d'énergie ici. Et je vais voir si ça marche, si on le met directement là en fait. Là, lui, il va se retrouver à charger. Mais est-ce que là-haut, ça va marcher? Normalement, ça devrait. Est-ce que ça marche? Ça marche peut-être pas avec la liaison avec ça, tu me diras. Ah! Non, c'est bon, j'ai rien dit, ça fonctionne. Ok, parfait. Ça, je sais pas si j'ai besoin de le mettre. Non, il a pas besoin d'énergie. Et donc, les petits patterns, ils sont où? Ils sont. Alors, c'est pas lui. C'est celui-là. Ils vont faire un petit peu comme ceci. Ah, il n'y a plus d'énergie parce que j'ai fait des crafts. On peut les mettre là, et donc là, à partir de là, on peut faire des crafts auto. Donc, par exemple, on va faire des crafts basiques. On va prendre. J'ai pas de bûche là-dedans. Ici, alors ce bois là, on va l'utiliser. Je fais ça et il me détecte directement que c'est un crâne comme ça. Ensuite, je fais ça, hop, il me dit que c'est ça, et je fais ça, il me dit que c'est ça. Normalement, on peut override, c'est ça, on peut mettre n'importe quoi. Ça veut dire qu'on peut faire par exemple, je mets un minerai de fer ici, un lingot ici, et je dis craft, fais ce craft, ça sera dans un four par exemple. Donc on peut faire des crafts qui ne sont pas des crafts classiques, mais des crafts de type processing. C'est juste qu'on n'a pas de bouton ni rien, il faut juste faire là-dedans directement. Tout se faisait dans une interface. Et ensuite, on met les patterns là-dedans. Donc ce qui veut dire que maintenant, si je vais là, eh ben, je peux crafter directement bah, des tables de craft, par exemple. Je prends des deux. Et là, il va me les faire. Alors j'ai pas mis d'écran ni rien pour voir les crafts en cours, mais il me les a fait. Hein, parce que je n'en avais pas 10, normalement je n'avais que 8. Après, on a le crafting monitor qui est là.
faut juste du fer. Le crafting monitor permet tout simplement d'afficher ce qui est en train d'être crafté. Si j'en fais un, il était où? Il était là. Hop, j'en fais un ici. On va le mettre là. Hop là. Et après, imaginons que je lui dis crafte-moi l'ange de bois. Normalement, ça doit l'afficher ici. Bon, là, il a dû les faire instantanément parce qu'il y a, beaucoup de CPU. Mais quand il y aura des gros crafts, on les verra par ici. Et d'ailleurs, imaginons, je demande... Est-ce qu'on peut taper ici? Voilà, je demande un truc exagéré. Il va me demander... Voilà, il est en train de les crafter, vous voyez. Et au bout d'un moment, il va me dire « Missing materials » parce que j'ai plus assez de bois. Tout simplement. Alors, pour annuler un craft... Voilà, là, il me dit « Ça y est, c'est fini, je peux plus rien faire. » Et pour l'annuler, je sais pas... Ah oui, c'est marqué là. Left, shift... Voilà, on peut annuler en faisant shift, clic gauche, et ça l'enlèvera. Donc là, ici, normalement, ça m'a mis du bois en masse. Ah non, parce qu'il me faisait des tables de craft. Voilà, j'en ai 48. Donc là, ça a marché. Voilà, et c'est comme ça que ça marchait à l'époque. C'était très simple, hein, finalement. C'est un peu comme Refine Storage aujourd'hui, puisque Refine Storage se base, s'inspire d'Apply Energetic 1. C'est pour ça que ce mode existe, en fait. Donc, pour ceux qui sont un peu nostalgiques de l'époque, dans les nouvelles versions, ils peuvent utiliser Refine au lieu d'Applied. Ils auront un truc un peu similaire. Alors après, je crois que ça a changé. Refine sur le multibloc n'existe plus trop. C'est juste des petits des blocs comme ça où on met des patins dedans. Mais voilà, ça se rapproche un peu plus que Apply Energetic 2, forcément. Et là, il n'y a plus d'énergie de nouveau. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'énergie produite dans les moteurs, tout simplement. Offline, ouais. Ouais, ça va falloir qu'on fasse un petit truc derrière pour la production d'énergie parce que je pense qu'on arrive à la limite. Il y a un poulet maintenant. Ouais, c'est ça, les moteurs n'arrivent pas à suivre. En même temps, j'ai fait un gros cube. Donc c'est pour ça que ça consomme pas mal d'énergie, je pense. Bon, c'est pas très grave, je ferai des moteurs en plus, et puis je verrai plus tard. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis merci à vous, et on se retrouve à la prochaine.